Mesdames et messieurs, bonsoir. Rappelez-nous, Asriano Nanatia Health Talk Show, c'est un show qui est patronné par Booking Center for Holistic Health. Eh bien, Booking Center for Holistic Health, c'est clinique Dr. Jean-Landois. Eh bien, Asriano, le topic que nous portons pour nous, Asriano, c'est banana implant. Jamais dans l'histoire scientifique à travers le monde, même de réunir ensemble pour investiguer et faire manger, faire sous-santé nous. Toutes recherches à eux sorties dans tous les coins à travers le monde nous montrent que manger fonctionnait presque même gens avec médicaments. Le seul bagage, manger pas gain aucun effet que l'y fait sur le corps. Et bien, à ce moment-là, nous prenons le côté Dr. Grandois pour détailler nous plus de bananes que nous tous connaissons, que la canot, que nous avons habitué bouillie banane, nous avons fait la bouillie banane. Docteur Grandois va nous donner plus d'informations à ce de banane. Eh bien, Docteur Grandois, bonsoir. Bonsoir, une fois de plus encore, nous saluons les communautés. Rappelez-nous que nous avons Natural Health Talk Show, et des son show qui plus parle de feuilles, de manger, tant ton médicament, tant ton maladie, médecine maman nous, papa nous, depuis l'Afrique jusqu'en Haïti, et depuis en Haïti jusqu'aux États-Unis, que nous avons un paquet de splendeur, qui toute radio, toute télévision, tout programme, nous tendons à parler de naturel. Tout le monde retourne à naturel. S'il vous plaît, assurez-vous, attendez ça, ma bière. La soirée, nous allons parler de manger. Nous ne pouvons pas aucun haïtien qui ne connaît ça, elle est banana, plantain, figue, banane. Tout le monde fait partie de banana. Banana, on l'autre nom, que yo est le Moussa Sapientum. Eh bien, Moussa Sapientum, yo believe que. Je crois que banana, premier côté de sortie, c'était dans South Asia, dans le sud de l'Asie. Je trouve que aboriginalio, disons indien, à Hawaï, yo des aborigènes, Monsao, yo même, yo était banana te vin dans Hawaï, les que anciens marins de Panama, de Colombie, te qu'on voyage de l'Asie et passé dans Hawaï, de Hawaï, il y a un pays, c'est comme ça que banana devine tout partout à travers le monde. Tu as un botaniste qui s'appelle Paul Allen Cox, dans le livre qui était écrit Plante et Polynésienne, Portland Discovery Press, monsieur dit que banana, c'est lui qui t'a expliqué qui façon que tu as découvert banana, quoi ça me soudre là. Mais nous connaissons que banana a un pile shape là-dedans, disons different type, ça veut dire gain qui long, gain qui coûte, gain qui petit, gain qui gros, gain tout gain fig, gain fig qui petit, gain fig qui gros, gain banana, gain fig qui petit, gain fig qui gros, gain qui mûr, gain qui vert. Et c'est raison pour laquelle que monsieur dans le livre dit que plus fort monde qui est banana, surtout monde qui sont dans Antillio, monde qui sont dans Afrique et surtout South America, ça veut dire l'Amérique du Sud. Mounsao, you use banana a lot. Par exemple, aux Indes, you utilise banana en pile pour traiter moun. Et aux Indes, en India, en anglais, you banana gon paquet de réputation folklore là-dedans, que le bon pour moun qui gen orse là-dedans, petit corset, un duo d'une orse, ça veut dire le bon malingue dans un estomac là, qui gen doit forcer hein, et qui gen doit même mettre en bas de tout, orse. Je dois forcer un pile. Ce dos indien pour yo manger un pile banana, très bon pour les mounge ulcère d'estomac, non, ulcère dans l'estomac. Accordé de indien matériel médical en 1954, ça c'est un livre que indien a été écrit aux Indes en 1954. Je dis que lorsque fait farine banana, il est très bon pour les mounge qui gagne quoi ça me saute de là, ulcère d'estomac. Peptique, on a deux types, un peptique ou gastro, et duodenal osseur, il est très bon, et il est très bon tout pour les gens qui ont les flatulences, qui ont fait gaz, qui ont passé gaz en pile, et les gens qui ont une inflammation, non, il est très bon tout pour les gens qui ont une inflammation dans l'estomac, en anglais, il dit gastroartis. Le fait qu'il y a dans banana, c'est qu'il dit que l'Indien rechercheur, il a observé que banana et plantain ont distress. C'est le cellule là-dedans, spécial cellule là-dedans, qui est très bon pour
ulcère et qui très bon pour guérir ulcère kamoun. N'a pas l'ulcère de stomac. Et était même recherché scientifique indien yo, était même metté ensemble avec scientifique anglais yo, pour étudier et passer des années à étudier sur banana. Yo que joine que banana très très bon, li fait que l'homme moun manger, li fait que ou pa gen ulcère dans l'estomac. Et le chef ça a été fait sur animal. Je conclue que banana travaille même gens avec sous ta prend médicament que les tagamètes ou bien Pepsi ou bien Axib que banana tellement mais avantage que banana gain c'est qu'il va gain aucun effet la fait pour la fait quoi l'autre prend gens de médicaments ça le cacrazo et même fait l'autre étude tout sur banana dans plusieurs différentes medical centers aux Indiens. Je dis que même que même si que ou pas retirer peau banana ou servir à poa ou bien sans poa, je vois que banana l'op prend li ou manger li quelle que soit façon j'en mange là li guérit Dieu de l'ulcère ou bien gastro cancer dans 70% des cas. Mais c'est pour que j'en mange son bagage qui très important songer ça Hippocrate you are what you eat. Sans manger, c'est soyeux. Sans mettre en dedans, c'est salé. C'est la femme de tout le monde souvient, oh, ulcère d'estomac, banana. Très bon pour vous, parce que banana, c'est pas moins qu'à Dieu, c'est de richesse qu'il fait. Et les recherches, ça, il est passé depuis des années à pétiller sous banana, pour qu'il y ait un secret banana. C'est la femme qu'on a, ouais, tout le monde, c'est pas seulement nous-mêmes, qu'on a, vous savez, tout le monde retourner à la naturelle. Toujours changer ça de prévention sera qui très très important. Vous avez dit, ah mon cher, ça docteur Grandois dit, ah c'est un fait parce que je change. Quand un patient qui relève qui dit que la quand docteur dit, ah bah ancien ça, ou prend pied fait, bah tu pas au monde qu'on y a. Mon docteur ça a dit ça, il ne faut pas que tu vas manger garlic, il ne faut pas que tu vas manger persil, il ne faut pas que tu vas manger végétaux. Soit attendez ça docteur Abdoulala, tout mon cher, pas prendre feuille, pas prendre bon vitamine, peut-être pas le vol prendre, parce que moi-même je prends tout. So, ça son bagage qui pour qu'on s'amène d'eau parce que sans manger c'est ça changer ça Thomas Edison parce qu'un jour on l'aime quand même dans le programme là moi bail type ça me dit que si on monde connaît qui est qui te dit ça docteur de Mayo c'est nek qui est cap bon feuille bon médicament bon feuille bon vitamine bon minéral nek a fait prévention avec au lieu qu'à bon médicament pour craser, comme nous devons près de 50 à 100 personnes qui relèvent dans le téléphone, ils continuent ça. Parce que Thomas Edison, par contre, ça Thomas Edison, c'était un grand scientiste américain qui découvrit l'électricité. Et c'est un gros herbaliste qu'il était peut-être pas. Si on ne peut pas parler d'un d'eux, on dit, ah, ça, docteur Grandois, ça, c'est un jouet lié. Ça, c'est jouet, c'est pas jouet, parce que nous croyons qu'on y a, nous, qui avons dit ça, du Al Manhattan, Al Connecticut, à Californie, à Nord, tout partout à travers les États-Unis, pour être capable de faire son paquet de semandes. Et au même dit, mon docteur haïtien, même, qui a essayé de pratiquer naturel, son bel bagage, qu'on a, ouais, ça veut dire qu'on a un monde qui t'a parlé, qui t'a dit, là, c'est docteur Grandois, c'est docteur Vaudoulier, c'est docteur Magique, c'est docteur Feuille, et bien qu'on a, ouais, que naturel, son bagage qui est très, très important. Retourner à la naturelle. Si vous ne voulez pas retourner, c'est pas aller là-bas, là, comment c'est crasé, ou à venir chercher naturel, on a 5 ans à 10 ans de ça, on a dit que mon cher docteur Grandois a raison, ça l'a bien. Parce que manger son bagage qui est très très important parce que qu'on a une pile recherche qui fait, yo voit que qu'on sait de manger qui même plus bon parce que l'eau a pas médicament. Par exemple, quoi, banana, ça c'est pas moins qu'à dire, son c'est de gros chercheurs, gros scientifiques de l'India, de l'Angleterre. Qui fait scientifique ouais que banana très bon pour monde qui fait ulcère les game même effet avec leur prend médicament et bien pour le moment ma passe à vous parler de manger qui est très très important du les banana. Mesdames messieurs bonsoir une fois de plus me rappelle Natural Health Talk Show et bien son show qui a parlé de feuilles de manger dans maladie nous plus intéressé dans prévention parce que nous même dans naturel son t-shirt noué. Nous l'avons dit la vérité, et puis nous l'avons pour éduquer les patients comment pour prendre responsabilité tête. Les patients ont éduqué des patients qui en forme, parce qu'un patient qui n'est pas éduqué. Parce qu'il n'y a aucun monde qui a dit que l'alcool docteur
si docteur dit tel bagage, vous ne pouvez pas demander docteur qui veut ça dire. Et soit le docteur parle, mais ça docteur dit, alors quand l'autre docteur son grand pays, vous faites sauver, sauver plutôt. Eh bien, je parle de banana. Il dit que banana, c'est un grand ébalé sur les mots de grève, qui en 1931, qui est qu'on livre. Il dit que banana, famille, ça veut dire toute famille banana. On a parlé de banane, on a parlé de plantaine, on a parlé de figues, de banane, de banane. Il dit que il y a plus de valeur de nutriments, ça veut dire bon, bon vitamines, bon minéral, bon aminoacides que medical properties. Ça veut dire que en termes de médecine, parce que c'est plus il y a plus de valeur de vitamines. Parce que si qu'on est en forme, qu'on est capable de combattre l'infection, qu'on est pas en forme. Il y a donc toute partie dans la banane qui a une utilité là-dedans. Parce que les Indiens, dans l'ancien temps, utilisaient la banane en pile. Surtout lorsqu'il y a en anglais du gastro-intestinal disorder, lorsqu'il y a un problème dans l'estomac. Par exemple, il est très bon tout pour diarrhée. Surtout aux États-Unis, pas pour les maladies, ça les dysenteries. En Haïti, pas pour les dysenteries, très bon tout. Et surtout pour tout en ventre qui fait mal. Ou bien constipé, ventre qui fait mal. Chaque fois que pas manger, quand tu fais mal, ou bien ça pour l'offre de manger, pour un seul. Je vois que la banane a un paquet de valeur là-dedans. Quoi, ça me dit là, le docteur Modio, que il y a un paquet de nutriments de valeur. Quel genre de nutriments on a joué dans la banane? Par exemple, je vois que on a joué près de 11 mg de calcium, 35 mg de phosphore là-dedans, 1 mg de fer, 500 3 mg de potassium, parce que les gens qui comptent dans des programmes, potassium très bon, pour leur faire et tension. Il y a 260 international units de vitamine A là-dedans, 1 mg de niacine, vitamine B3, 14 mg de vitamine C, et même ouais, chromium, il y a 13 chromium là-dedans. Et chromium, c'est une de minéral qui est très très important parce que moi, l'autre jour là, on a été parlé de chromium dans toute télévision, très bon pour le monde qui fait cycle à caillou. Et banana, c'est une nourriture qui a 13 chromium là-dedans. Les gens qui font sucre, banana, très bon pour eux. Parce que nous connaissons que chromium sont macronutrients liés qui sont responsables pour stimuler l'enzyme la caillou. Et avec activité métabolisme de glucose dans la caillou. Et en même temps, les synthétiques fatty acides et cholestérol, ça c'est de nous recherches, nous jouons que chromium a un paquet d'effets pour l'organe cholestérol la caillou. L'or fait sucre, moun qui fait sucre, s'il vous plaît, chromium, très bon pour banana, ou avion chromium dans banana. Ça c'était une nouvelle recherche naturelle. Mon collègue du Lalte paraît dans Channel 7, dans Channel 2, dans Channel 4 et même dans la radio, on est dans des tas parler de lui. Je dis que banana était premier paraître dans la médico-littérature. Dans une série de journaux, littérature comme bagaille qui pour traiter, comment manger pour traiter les gens qui fait ulcère la calée depuis en 1930. Ça, premier recherche, ça a été fait, il a été neutralisé. Ça a fait, l'homme mange banane, sa banane a fait neutraliser l'estomac acide et que quand il fait que l'estomac la soute, il fait qu'on n'a pas de douleur, rien du tout la calée. Les gens qui habitent dans le naturel, je comprends ça en vidéo, vous faites pour le cas dans le naturel, vous connaissez pas un trop. Acide la caillou. Je veux dire ça, bah, au balance treatment, nous-mêmes, dans le naturel. Vous faites pour aller pour connaître si vous avez trop acide, parce que l'organe trop acide n'est pas bon pour vous. Sur ce point, naturel, très bon pour vous. Parce que les chercheurs, ça a été fait, ils ont été isolés, ils ont chimie, dans natural chimie, dans banana, qui est capable de neutraliser l'acide là, qui vous fait osseux, pas développer la caillou. Ça, c'est un bagage qui est très, très important. Et même tout dernièrement là, Angleterre et Indiens, rechercheurs, ils ont utilisé, ils ont découvert un chimie dans la banane. Il y a les banana rodent en anglais, qui est très bon pour traiter l'ulcère d'estomac. Et ils ont dit que plantain, que banane, ils sont figues, banane, ils agissent même gens. Le travail, même gens. Et plus bon que les médicaments que nous apprenons. Et professeur Eke Sanyal à l'université de l'Indo, en Indien, avec un docteur anglais, et le docteur Raj,
qui était un dans le département pharmacie dans l'université de Aston en Birmingham en Angleterre. Il était joint que banana sont mangés qui très très bon pour monde qui fait ulcère d'estomac. Et il était même dit que banana est plus bon parce que il n'y a aucun effet pour elle prend un série de médicaments ou bien tagamet ou bien zantac ou bien cabenoxolone ou bien parce que médicament ça on le prend il a fait blood pressure monter tandis que moi prend banana sous bien os dit très bon pour parce que nous même nous gain bail pas nous produit nous qui fait avec banana s'il vous plaît mon qui habitué avec nous yo connaît qui genre de produit qui fait avec banana parce que nous toujours bail et ouais que banana puis bon parce que pas gain aucun effet qu'a fait la cao parce que le prend médicament ça yo bon une série de faits yo ca fort et sous fait tension monter tension puis haut et ca bon toute l'autre qualité bagage qui a fait parce que ça. Et donc, oui, et banana fait qu'on a un estomac qui en forme, que si vous prenez l'autre baril, parce que sa banana fait stimuler la prolifération de cellules dans l'estomac, là, dans l'anime de l'estomac, là, à ribord de l'estomac. Là, et le fait ça, il release protective layer of mucus, aussi de layer de mucus qui retient à ribord de l'estomac, là, qui est acide, qui fait que. Qui fait que on se produit la cao. So, ça le fait, il fait que retirer hydrochloric acide, comme des fois bon parler sur hydrochloric acide dans le passé, et pepsin fait que pas capable faire de damage, pas capable damager estomac la plus. Ça fait ouais banana manger son bagage qui est très très important. Si ça fait ouais jamais dans l'histoire, ouais que scientifique à travail pour ouais qui secret qui mange rien là-dedans, surtout en Europe. Il y a même deux British qui chercheurs en Angleterre, un scientifique. Il y a joint que banana est un anti-ulcérogénique agent qui est très bon pour gastrique ulcère. Et il y a dit que il justifie son bail qui est sérieux, qui est très bon d'après les recherches que il y a joint sur ça. Il y a même que banana non seulement bon pour l'estomac, mais bon tout pour diverticulitis en anglais. Là que on a inflammation dans on sait de type pocket dans milieu de colon en anglais do small pocket in the wall of the colon parce que les colons quand monde ça souffre irritable bowel syndrome quand ils font bel programme sur là mais ça monyo constipé qu'on a colon dans ça passe qu'on sait de type pou qu'on passe terre là-dedans et yo dit que les mon manger banana est très bon pour faire que colon pas enflé. Nous disons en anglais diverticulitis. Pour que les gens fassent parce que banana, l'on mange, ils viennent soft, ils viennent mou, ils viennent font sorte de l'huile pour le faire, ça au flush la cao, retirer vieux acide ça qui vous cause un problème. C'est raison ça nous-mêmes, nous gain bail banana, nous gain un bail naturel qui fait, ben bail aussi banane que mon apprend, même s'il prend en tablette ou bien en poudre ou bien en l'eau. Parce que banana, ça le fait, il coûte. Intestin, wall mieux intestin, pour le fait que si bar a été enflé, il fait le guérir. Ça fait manger son bar qui paquet à faire. Ça fait Hippocrate d'eau, quitter manger, faire médecine nous, et quitter médecine nous, faire manger. Rien à répéter, même j'en avais, parce que depuis mon programme, on m'a toujours répété, Timoa, sans manger, c'est soyer. Et banana, tout, il y a du tout, bon tout pour gastroartis, l'air que estomac là, enflé tout, mais très bon pour ça. Surtout, banana jus, ça fait moi-même chaque matin, c'est quoi, moi je prépare à faire beaucoup de moi, je fais du jus banane, moi je bois chaque matin parce que il est très bon pour l'estomac quand on va mal travail. Le soir, je prends gravement, je gratte des bananes, je mets des ciseaux, je me suppose mettre là-dedans, je mets des sucres, je mets du miel, bien manger, bien prendre jus banane chaque matin, il est très bon parce que il permet pour vie acide à faire autre pour faire l'estomac là guéri en forme smooth, soft. Et d'après recherche, il y a même moins que le bon pour heartburn, le bon pour hernia, hiatal hernia, ça veut dire que tout le monde a un poche air dans l'estomac là, il est très bon pour lui. Il est très bon pour le monde tout le temps qui a fait rapport. Il y a du banana, très bon. Ça veut dire que ce suppose à le cas naturel pour prendre un bon traitement ça. Ce suppose à l'étendre, ça a un bagage qui, regarde, parce que jour si le banana est là, on a dit que le docteur Gandoua, tu as raison. Sans manger, c'est ça. Hey, yeah. You are what you eat, parce que je fais un bel programme, nous montrons tout manger, qui secret qui mange bien là-dedans. So, si vous parlez, attendez, ça, son bagage qui, vous comprenez, ça me l'aide.
Parce que je dis que l'on prend jus banana, ça fait le neutraliser hydrochlorique acide de la carotte. C'est peut-être ça, par exemple, on se demande de manger, le fin de manger, puis au fond, rapport, si on prend 5 mangas dans la gorge, ah bien, c'est parce qu'il y a trop acide de la carreau, le fin de manger, on prend ça aussi. Par exemple, heartburn, tout le monde a fait rapport si manger, par exemple, le plus souvent, on va aller LIS, lower esophageal sphincter, parce que le faible, il doit causer qu'il y a des problèmes. Ça, qu'on a banana, l'on prend banana, surtout le prend produit naturel qui fait avec banane, ou bien prend traitement naturel, l'idée pour cela, très en forme, contraction muscularité en forme, pour ne pas causer bah, ça, parce que spécialement qu'on est banane, il y a potassium là-dedans, et potassium très bon pour bah, ça sur ce point. Parce que potassium très bon pour qu'il y ait des muscles en forme, comme des fonds programmes sur ça. Et au même ouais que banane très bon pour sang et pour créato. Ah ouais, son paquet à faire, banana, son paquet, parce que ouais, il de découvrir que banana, très bon, lui monte good gamme, comme des fonds barrés de good gamme, bad gamme, dans le cholestérol. Il très bon, lui monte cholestérol, là, la, bon garçon, la carreau, et puis il descend mauvais garçon. Avec quoi, c'est même pas ça, on me fait un programme. Les amis, nous sommes un gros docteur, un gros radiothérapie docteur, on est qui fait des études. Est-ce qu'il y a trop de cholestérol? Ils font massive à l'attaque. L'el dit, l'el m'a dit pour me botter un bail naturel pour lui, dans 2000 mourir. Si je t'écoute, ça va pas arriver. Sur l'autre temps de cap de dehors, ah, c'est pas ancien lié. Mon docteur, ça m'a dit, c'est Rimdaril, peut-être pas. Son bail ancien lié, ah, médecine ancien, mes amis, pas sous le monde, qu'on y a à prendre. Well, on m'écoute lui, tout est le bon drogue là, prends-le. Ça, c'est un bagage qui, regarde, parce que c'est ça, nous, là, pour prévention. Nature choix, la nature choix, prévention, c'est un bagage qui est très, très important. Fais jeudi à pour demain, pour ne pas craser. Si vous avez posté de la, commencez en live, commencez par posté de la manger. Si vous avez un problème, commencez par à manger. On ne l'a pas fait un programme, mais sur quel genre de traitement nous avons un caïdo dans le naturel. Et ouais, que très bon pour cœur, l'idéal avec sang et cœur, il fait sang passer dans le venin. Ouais, dans Chinese medicine, pathway, flow of the pathway, il fait sang passer sans problème, ni dans le venin, ni dans l'artérie. Il fait bon garçon à monter. Vieux garçons en descente, n'est qui pour craser ou qui pour mener en bataille. Le doux banana, très bon. Et le doux banana a même effet avec pomme. Je viens de faire un programme sur Paul qui vont bailler les pectins la calique, très bon pour l'estomac. Et m'a répété encore, le doux banana, très bon pour l'ulcère d'estomac. S'il vous plaît, tendez, ça m'a plu. Il est très bon pour le cœur, il est très bon pour le sang. Il fait, et au pas gombaille, les diverticulatis, fait colon enflé. Il fait l'aline à l'ébord d'estomac enflé. Banana, très bon pour vous. Et je toujours recommande les gens, lors de préparer le jus de banane, toujours prendre deux copes de pire, ou bien mélanger, ou bien papaye, ou bien goyave, ou bien mango. Parce que lorsque vous mettez banane ensemble avec l'autre bagage, il est très facile pour digérer le cacao. Eh bien, c'est ça que je vais dire de banane. Je vais souhaiter à soi, tout le monde qui t'attendait, qu'on ait qui secret que banane vient là-dedans. Et bien, moi, il faut expliquer nous que le docteur Benoît a parlé nous de banane plantain. Il a fait nous connaître qu'il est très bon pour l'ulcère d'estomac, il est bon pour les gens qui ont gaz, pour les gens qui font sucre et puis pour les gens qui ont des problèmes de cœur. Et bien, si nous-mêmes, nous avons écouté nous à soir, si nous avons besoin de plus d'informations, nous sommes capables de contacter nous dans la clinique. Le téléphone nous c'est 718-859-3222. Et bien, nous allons retourner encore. L'autre semaine pour nous porter un nouveau topic pour nous l'autre semaine. Eh bien, au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine.